chose qui marche pas, là. Elle reste dedans une bonne position pour elle. Fait que, quand que c'est dedans ce sens-là, c'est un peu un mix des deux premiers qu'on vient de faire, OK? Donc, dans le fond, même si c'est le même bras, on fait les mêmes techniques avec le croisé. Fait qu'une première chose, c'est... Je peux se couper ici. Fait que c'est vraiment juste ça. Puis, tu peux faire aussi un croisement. OK? Fait que tu peux donner un espèce de coup que tu arrives ici, puis tu bouges, ou tu fais le petit scoop. Puis c'est vraiment important qu'il y ait pour ces affaires-là, parce que le truc, justement, généralement, ça raconte ce que je veux dire, mais tu sais, les gens qui vont te prendre d'un sens comme ça, c'est souvent des gens justement qui ont des bras raides. Tu sais, qui font l'hypertension. Moi, j'ai le droit faire ça depuis tantôt, là, c'est parce que eux, leurs membres, leurs bras sont confortables à faire quelque chose du genre, OK? Fait que le gros problème de pourquoi, bien souvent, tu sais, t'es comme. C'est parce que c'est ce pli-là qui est bâtard, OK? C'est lui qui a de la misère. Fait que tu veux commencer un petit peu à éliminer le problème, mais. Tu pli. Tu sais que c'est vraiment ça, OK? Donc, là, je veux juste que vous pratiquiez de faire ça, puis autant que possible, essayez d'être raide. Raide, raide, raide. Pour que la personne voit un peu c'est quoi. Puis, tu sais, quelqu'un de raide, là, on peut se dire, comme, OK, Marie-Lou versus moi, j'ai potentiellement plus de force, mais un gars comme Oli, que son. Moi, si je dis, ça me fait vraiment fort, puis je commence à juste essayer de, comme, rouler de même. Contre un gars comme Oli, c'est pas moi qui va gagner ça, là. L'affaire va être d'insère autant que possible, puis lui, elle, ça la ferait chier. Elle pourrait juste faire, comme, pousser vers moi, puis. C'est moi qui se ramasse avec mon propre affaire, OK? Fait que vraiment, faites juste vous focusser sur aller attaquer ça, souper, OK? Puis, ayez pas peur de coller la personne sur vous. Tu sais, je vous ai dit, faites attention à votre couteau, c'est très vrai, mais en ce moment, mon couteau, c'est ça va, OK? Faut juste être bien contrôlé, d'accord? OK, c'est ça. En fait, c'est pas ce bras-là qui bouge, c'est lui qui bouge. Fait qu'en attendant, moi, je reste ici, là. C'est comme si je m'installe sur son coude. Là, je vais faire son coude en arrière. Puis là, tu vois, son bras, il est tout poussé en arrière. C'est vraiment la place. J'aime tellement les petits sons. Gênez-vous pas. Mais ça, j'ai pas une claque. Deuxième étape, c'est de faire un mouvement.